On va devoir jouer à Fortnite, mais qu'avec des armes exotiques. La rareté exotique, c'est la rareté la plus rare du jeu à l'heure actuelle. Elle est très très dure à trouver. Notre mission d'aujourd'hui va donc être simple. Trouver les armes et ensuite réussir à décrocher la victoire royale avec celle-ci. On va voir si on en est capable. Juste avant, pensez bien à une chose. C'est aller dans la boutique d'objets. Vous cliquez en bas à droite sur soutenir un créateur. Et là, vous écrivez Waz ZZ avec 4 Z. Vous mettez accepter. Le code sortir tous les 14 jours. Vous êtes très très peu à me soutenir comparé à avant, les gars. Il y en a plein qui pensent plus à leur mettre ou alors qui veulent juste plus me soutenir. Et ça, je le comprends. Mais n'hésitez pas à vérifier dans la boutique si le code y est, si jamais vous voulez m'aider. Sur ce, on est parti. Bien évidemment, on va aller directement au quartier des ZZ. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas atterri. En vrai, ça me manque un peu. Franchement, ce défi, je sais pas trop comment le sentir. Je pense qu'il va être ultra compliqué. En fait, le plus compliqué pour moi, c'est de trouver les armes. Après, bien évidemment, faut réussir à faire top 1 avec, ce qui est pas non plus la chose la plus simple du monde. Mais pour les trouver, il y a deux solutions. Soit via ce renfort qui donne des armes exotiques, soit via les coffres à clés où en échange de deux clés, tu peux débloquer une arme de cette rareté. Dans tous les cas, c'est vraiment, vraiment chaud. Au niveau de la conteste, ça me semble bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est de simplement looter un maximum de shield déjà. Mais aussi, trouver des clés pour les fameux coffres à clés. Ah, un katana, ça c'est cool, c'est que j'ai le droit de le prendre. Ça peut me servir pour en taille enchaînée. Le monteur, regarde ce que j'ai eu. Rien à foutre. On va en profiter aussi pour faire les construits. Ici, il y a plein de bambous. Eh, d'ailleurs, Josh, j'ai une question. Est-ce que t'as déjà atterri au quartier des ZZ ou pas? Non. Est-ce que t'as déjà atterri à l'île des ZZ ou pas? Non. Est-ce que t'as bien aimé? Non. Ah, je suis sûr, t'as un gros menteur. Non. On va se mettre le camion de shield histoire de monter à 200 HP. Hop, c'est bon. Alors ici, est-ce qu'il y a une arme exotique? Non. Pas du tout. Ok, ça commence bien, franchement. Déjà, on a notre premier renfort. Est-ce que j'arrive à la voir? Alors, glissade aux munitions ou recharge désespérée? Non, c'est pas ça. Finale de pistolet 8 trailer, guerre du rail non plus. Premier assaut, chasseur de trésors. Vas-y, je veux au moins le renfort des clés. Oh, vous recevez un pistolet en fusée, un pistolet tracker obscur. C'est exotique ça ou pas? Oh oui, ça c'est exotique. Les gars, c'est bon, j'ai ma première arme exotique. Donc c'est un pistolet silencieux apparemment. Les vrais savent que j'adore cette arme. Bon, au moins, s'il y a quelqu'un qui vient me fight, je pourrais un minimum me défendre. Après, s'il débarque avec un pompe, je vais juste prier. Dans la game, on a encore 43 joueurs, ça se slay vraiment bien. Moi, ça m'arrange. Je veux juste faire mon top 1. Même si j'arrive comme ça, par magique, je kill le dernier, ça me va. Ce qu'on va faire, c'est monter la montagne. Un truc qui pourrait être pas mal aussi, ça serait de réussir à prendre un kill assez tôt dans la game. Je me dis que par chance, il aurait peut-être lui aussi une arme exotique que je pourrais ramasser. On sait jamais, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Dio? Oh, je pense rien. Toi, aujourd'hui, t'es aigri, je l'ai compris, c'est bon, je te parle plus. Exactement, ouais. La nouvelle zone vient d'apparaître. Je suis à 222 mètres. Ça va, je peux quand même prendre le temps de fouiller un peu. Faudrait que je loot un maximum de coffres. Moi, je trouverais peut-être des clés dedans. Pour moi, exotique, c'est vraiment la rareté la plus rare de Fortnite à l'heure actuelle, hein. Ça dépasse largement le gold et même le mythique. Parce que pour avoir le mythique, tu sais que tu dois aller au coffre fort, tu tues le boss et c'est bon. Exotique, c'est vraiment que de la chance. Il y en a très très peu dans les games. Nouveau renfort, et justement, j'ai maîtrise des clés. Incroyable. Regardez, ça me fait deux clés. Là, faut absolument que j'aille vite à un coffre. Il y en a là-bas. Pitié, dis-moi qu'il y a une arme exotique. Si je one shot le défi, ça veut dire que je suis vraiment le goat. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je t'ai dit que je te parlais plus, commence même pas. Ça y est, le monteur il commence à trop prendre ses aises. Il croit que c'est sa chaîne YouTube. Déjà, j'ai pas oublié, hein, là, ça fait deux fois que tu postes une vidéo sur ma chaîne sans mon consentement. La chaîne elle s'appelle Waz, pas Gio, t'as compris le monteur? Ok, pas d'arme exotique, super. Je suis sûr c'est toi qui me porte la poisse. Bah ouais. C'est pas grave, il y en a aussi à 125 mètres. Là-bas, ça va plus me sourire. Ah, je dois claquer une splash. Non mais je rêve. Allez, faut pas que je tilt. Ça, j'ai remarqué que ça me fait souvent perdre des défis. Je sors de ma game à cause du monteur. Mais un mec. Ah mais du coup ça l'a traqué, ok. Oh oh, c'est la merde. Heureusement c'est que je vois où il est grâce au truc de tracker. Je vais me barrer. Je vais essayer de descendre. Vite fait passer voir s'il y a une arme exotique. Non, il n'y en a pas. Ok, je me taille. Vite. Oh, c'est bon. Je fuis les fights. Là-bas aussi, il y a des coffres à clés. Oh, je pensais pas que ça allait être si compliqué. C'est déjà le troisième que je vais aller guetter. Je sais déjà d'avance qu'il n'y en a pas. Regardez bien. Et voilà. Violet, gold, violet. Super. En fait, cette vidéo, on va juste passer notre temps à courir, je pense. D'ailleurs, j'ai plus tant de matériaux que ça. Faut que je refarme un peu. Vu qu'on parle de construction, ça fait des semaines que je me pose une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent au Nubile ou pas? Moi franchement quand il est sorti j'étais vraiment hypé, mais là je vous mens pas, ça fait des mois et des mois que j'ai pas lancé dans ce mode. Est-ce qu'il y a des joueurs, je sais pas, qui ont pu reprendre Fortnite vu l'arrivée du Nubile? Est-ce que là qui au contraire joue plus du tout à Fortnite? Enfin dites-moi un peu comment ça se passe de votre côté. Encore pas d'arme exotique? Non mais vas-y. Attendez, j'ai un renfort. Je prends l'infinité aérienne. Là il ne reste plus qu'une chance pour le renfort de l'arme exotique. Mais il m'a fait trop peur. Je suis un papy. Un jour je vais avoir une crise cardiaque en pleine vidéo. Et lui je crois qu'il a pas lâché, hein. Faudrait que j'arrive à me tailler. Genre comme ça. Hop. Et là je redéploie mon planeur. Et alors loser, t'es où? Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, ça va, il a l'aim de Dio, tranquille, il m'a pas touché. Je vais le démarrer, cet enculé. Ah, on se rebarre. C'est pas une game d'arène, c'est une game de chasse à l'homme. Je fais qu'est-ce qu'il fait les fights? Après, franchement, les gars, soyez pas des mythos. J'ai qu'un pistolet tracker obscur. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette merde? Je peux pas rivaliser contre des mecs qui ont des pompes de fou. Ok, le dernier renfort est disponible. Et il me propose pas du tout ce que je veux. Ok. Bon, pas d'arme exotique non plus. Si je comprends bien votre message, Epic Game, je vais finir ma game avec ce pistolet. Non, mais dites-le moi direct. Comme ça, je perds pas de temps. J'essaie de faire un truc avec. Et voilà, je cherche pas d'autres armes. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Quand les autres youtubeurs ils font ce genre de défi, eux au bout de 3 coffres ils ont tout ce qu'ils veulent. Moi au bout de 3 games je l'ai pas. Regardez, je vais me faire cheaton en plus. Aïe. Mais il est trop nul ce pistolet. Il joue trop mal. Et lui il avait un fusil.
j'ai un pompe mythique. Vas-y, j'ai le démon. Deuxième partie, deuxième chance de réussir. Là, j'ai de bonnes ondes, ça va le faire, les gars. Je pense que la meilleure strat, c'est de tout miser sur les renforts. C'est là où j'ai le plus de chances d'obtenir une arme exotique. Alors, directement ici, non, c'est une arme en or, c'est pas une arme exo. On va se mettre le camion. L'île des ZZ, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est vraiment pas compté. Donc, moi, je peux venir tranquillou, me loot, faire mes petits défis sympas. Y'a personne. Au fait, je vous ai pas dit, mais dans quelques jours, je pars une semaine à Milan. Je vais aller voir le match de foot qui oppose l'AC Milan à l'Inter. Je vais voyager en voiture. Je mettrai sûrement plein de stories sur Insta pour faire découvrir un petit peu la ville, les coulisses, ce que je compte faire et tout. N'hésitez pas à aller me suivre, c'est WazTH. On n'est pas très nombreux là-bas, que franchement ça ferait plaisir que vous alliez vous abonner. Par contre pas toi le monteur, je veux pas avoir ton follow. En attendant que les atouts soient disponibles, on farm un maximum, on optimise le temps. Oups, je coupe au montage. C'est bon, ils sont là. Allez, 3, 2, 1. Oh, maîtrise des clés. Eh vas-y, je peux pas le laisser passer, je le prends. C'est pas grave, on misera tout sur le suivant. Je vais directement aller voir le coffre à clés qui se situe sur cette île, ça, Knotinet. Au bout d'un moment, je vais bien finir par en trouver. Juste, là, si ça me fight, j'ai même plus un petit pistolet comme avant, j'ai rien du tout. Le frérot, je vais lui jeter des grosses potes dans sa gueule. Nah, je rigole, ça, je vais les garder bien au chaud, le menteur, t'es fou. Oh oh, j'entends que ça tire. Moi, je veux juste voir les coffres, les bannes. Je suis quelqu'un de très pacifiste. Et pas pacifique. Pas drôle, frère, c'est pas drôle. Ah, pas mal encore. À chaque fois, vraiment, toutes les vidéos, je lâche une petite vanne masterclass comme ça, très subtil. Les coffres à clés, me voilà. J'envoie un double clé. C'est une arme gold. J'avoue que je suis le seul mec pas content de pouvoir acheter une arme en or, mais bon, c'est pas le défi d'aujourd'hui, hein. C'est pas grave, regardez la map. Il y a d'autres clés juste ici et juste ici. On va aller guetter. Il y a des construits. Il y a eu quelqu'un. J'espère juste qu'il est plus là. Ok, il n'y a pas d'arme exo encore. Je commence à en avoir l'habitude. En fait, je pense que je vais plutôt être choqué quand je vais en avoir une. Ça y est, j'en ai marre d'être déçu à chaque fois. Je vais aller à l'autre. Je vais quand même regarder mon renfort. Allez, pitcher. Premier assaut. Recharge espérée, non. Arme normale amplifiée ou glissade glacée. Toujours pas. Ah, je peux plus relancer là. Oh, comment j'ai le démon. C'est vraiment trop chaud. Regardez. Ah, toujours pas. Bah oui, on a l'habitude, hein. Oh oh. Faut pas qu'il me voit. Oh, vas-y, barre-toi. Comme par hasard, il va au clacov que je voulais. Ok, je vais aller discrètement. Hop, on arrive en sneaky. Coupe la musique vite fait. C'est barré. C'est bon, je peux la remettre. Est-ce qu'il y a une arme exotique? Toujours pas. Oh. Oh, j'en peux plus. Tu sais comment j'écrirais j'en peux plus, Dio? Jean, comme Jean, le prénom. P-E-U-H et L-L-U. Voilà, ça pourrait être un prénom et un nom de famille. S'il y en a qui s'appellent comme ça, mettez un commentaire. J'avoue que ça pourrait être un métier en fait, inventeur de prénoms et de noms de famille. Moi j'en trouverais d'être trop stylé. Genre Georges Bricole, pour Georges le bricoleur par exemple. Ou... Bah j'ai pas d'autre idée. Non en fait c'est pas un métier pour moi. Par contre le métier que je pourrais faire c'est ambulancier. Regardez j'ai que d'huile. Je suis là, j'ai 6 grosses potes, 2 splash, 2 barils, 6 mini. Je peux heal absolument tous les joueurs vivants. Là les 23 si vous avez besoin de shield venez. Je rigole bien évidemment, je donnerai rien. Là il y a eu plein de fights. J'ai peur qu'il y ait encore un mec. Genre on va regarder le renfort. Oh arsenal de chasse comme avant, incroyable. Voilà. Bon je sais qu'il est nul mais au moins j'ai une arme. Incroyable. Maintenant je vais voir les coffres à clé. Ça m'a redonné le smile. Le smile c'est le sourire. Hop. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est pas grave, je suis quand même content. Là aussi, il y a du monde qui est passé. Encore une fois, tout ce qui m'intéresse, c'est aller guetter les coffres à clés. Après, je pourrais aussi regarder sur les loots des anciens fights. On sait jamais si on a un qui avait une arme exotique et qui est mort. Franchement, vu au point où j'en suis, toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Hop, c'est ici. Toujours pas. Qu'est-ce qui reste sur le fight là? Ah bah, il y a même plus d'armes. Bon, et bah là, je suis mitigé entre deux choix. Un, continuer et persévérer à chercher une arme exotique. Deux, essayer de faire top 1 avec la petite arme de merde que j'ai. En soi, ça va aller derrière le défi, mais c'est vraiment dur. Déjà, on va utiliser le dernier renfort à pomper à Silex ou arme normale amplifiée. Non, ça m'intéresse pas. Je vais pas l'utiliser. On sait jamais si plus tard je peux relancer. Là, on a des katanas. Ça aussi, ça peut être cool d'en prendre un. Désolé les grosses, je vous laisse. J'aime bien. Tranquille, tranquille, j'en ai encore 3, mon pote. Mon contrat s'appelle Inframe. Ah oui, il a un skin de tryharder. Lui, je veux pas le croiser en fait. On peut pas annuler, s'il vous plaît. Alors, je vois personne. Ok, on va là. Je veux vraiment super sneaky. En plus, avec le pistol, j'ai l'impression de James Bond. Là, je m'infiltre. Fraclé. Pas d'exotique. Bah oui, on a l'habitude, hein. C'est pas grave, on va courir à l'autre quand même. Autant les faire tous, ceux qui sont en zone. Eh, d'ailleurs, le monteur, la semaine prochaine, là, ça y est, c'est enfin le 1v1 tant attendu entre toi et Yo-Yo. Est-ce que t'as hâte? Ouais, ouais, mon rêve. T'es un peu stressé? Pas du tout. Ok. Moi, mon pronostic, en vrai, je pense que Yo-Yo va quand même te battre, genre 5 à 3, je dirais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Oh, oh, oh. Barre-toi, c'est bon. Il veut pas continuer le fight, ça m'arrange. Oh, là, il y a un double clé. Allez. Non. Oh, encore un truc gold. Oh, j'en ai marre. Et là, j'en ai marre. Je leur ai écrit Jean comme le prénom. Et puis Neymar comme le genre de foot. Voilà. Et voilà, ça me fait un deuxième prénom. Et non, en fait, c'est bon. Je peux reprendre ce métier. Il ne reste désormais plus que 8 joueurs en vie. On n'a jamais été si proche pour le top 1, mais on n'a jamais été si mal non plus. Genre, là, oui, ok, j'ai beaucoup de shield. Mais bon, le pistolet, il met pas beaucoup de dégâts. Il a une cadence de merde. On va quand même essayer de se cacher. Et sur un malentendu, ça pourrait passer. Vous pensez que je peux me cacher là, sous le pont ou pas? Regardez, je vais casser ça. Ah, merde, j'arrive pas à passer. Oh, okay, bon. On peut pas se cacher ici. C'est pas grave, on se barre en zone. Oh oh, ça me re-shoot. Je me taille. Derrière l'arbre ici, nickel. Hop, on se tape la grosse. Parfait. Ah, cette petite maisonnette, elle est pas mal, hein. Regardez. On va venir se mettre là-dedans. Là, je pense qu'on est plutôt bien. Si on a un qui rentre, je le mitraille. Ah, je sue des mains tellement je suis en sueur. Attendez, mais en fait, c'est logique. Si tu sues des mains, c'est parce que t'en sueur. Et parfois, je suis trop bête. Le nouveau cercle de repère vient d'apparaître. Je suis là et la zone est juste ici. En vrai, ça va, je dois pas trop parcourir de mètres. Oh, j'entends du bruit. Regardez, il va ouvrir le coffre, je pense. Oh, il m'a pas vu. Je crois qu'il est sur le toit. Mais c'est une bonne cachette là où je suis en fait. Ah, ok, c'est pas une bonne cachette. Ah,
C'est quoi cette merde? Ah! Ok, faut que je me taille. Vite, ça a l'air d'être un fou furieux. Ok, je suis caché, je l'ai vu là-bas. Je vais me mettre de l'autre côté de la machine. Je crois que j'ai réussi à le brain. C'est bon, il se fight par là. Ah non, il est là. Ok. Oh la galère. J'avais oublié, mais là on est vraiment late game. Du coup, ça veut dire qu'il y en a plein qui auront genre des armes mythiques. Je vais juste me faire des pots. On est maintenant 6, ça traîne de fou furieux. Oh, ça, je suis dans un bush. Après, moi là, j'ai une excuse, j'ai une arme exotique. Non, mais je vais encore me faire insulter sur TikTok par les mecs qui repostent mes vidéos. Ils vont dire ouais, t'as un gros campeur, il est trop nul. Bah ouais, logique. Oh oh, pourquoi j'ai raté toutes mes balles? Ça va, il se barre, regardez. J'ai 22, eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? On est plus que 4 maintenant. Tout ce que je veux, c'est pas faire top 2. Après, tout ce que je veux, c'est faire top 1 aussi. Regardez là, ça se barre. Faut que le laser, il va arriver. Ouais, enfin, c'est un peu long, il est où le frérot là? Bon, bah, je sais pas. La zone de mouvement a commencé, elle est par là. Hop, voilà. Regardez, je me suis mis dans le bush. Voilà, je l'ai traqué. J'ai 26. Oh oh, il a l'arme de fou. Faudrait que j'aille dans l'arbre. Voilà, genre comme ça. Oh, je crois qu'il casse. C'est bon, je suis ici. Top 3 maintenant. Je me mets vite ça. J'essaie de me soigner. Je vais utiliser mon katana. Je suis encore dans un arbre. Ah mais je suis Tarzan cette game. Ça casse encore. Ok. Il y a peut-être un qui a plus de construit. Ouais lui là. Il était dans la sauce. Ah mais moi aussi. J'ai plus que 80. Ok là c'est vraiment la D. Oh oh. Mais si c'est bien construit. Claqué au sol. Je me suis fait arracher. Il avait le pistolet mythique. Top 3. Et bah franchement, c'est beaucoup trop compliqué. On retourne au lobby. Bon, et bien malheureusement, on conclut cette vidéo sur un échec. J'espère quand même qu'elle vous a plu. C'est vraiment trop une galère de trouver une arme exotique. J'ai pu jouer avec à peine une seule alors qu'il y en a plein de dispo sur le jeu. C'est pour montrer à quel point c'est compliqué. N'oubliez pas comme d'habitude le petit code créateur OASZZ dans la boutique. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.